Voilà, un petit, on va dire qu'il y a un petit léger changement capillaire, mais bon. Je suis très content, parce que ça fait super longtemps que j'attends, que je me tâte à me lisser les cheveux. Et là, ma maman m'a proposé de le faire, donc je t'ai acheté. Let's go. Et je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. J'aurais gavé d'une lunette comme ça, en fait. Ça devrait trop être mes cheveux natural. Franchement, qui m'a caché pendant toute ma vie que les cheveux comme ça, ça m'irait pas. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Là, je suis encore plus magnifique. Vraiment, ça booste ma confiance en moi. Là, j'adore, je suis fan. Merci, maman. Non, mais vraiment, je suis trop fan. Genre là, ça fait je sais pas combien de minutes, là, je fantasme sur mes cheveux. Je prends des photos, je fais des TikTok, je fais la totale. Je suis super content. C'est pas lissé de partout, mais juste le dessus, au moins déjà, c'est ce que je voulais de base depuis genre super longtemps. Mais voilà, je suis trop content. Ça a commencé bien cette petite vidéo. Mais bref, anyways, aujourd'hui, il faut que je fasse 2-3 petits trucs. Enfin, non, en tout cas, il faut que je rattrape 2-3 cours que j'ai pas fait. Parce que du coup, il y a eu ma bestie là, c'est quelques derniers jours, là, en début de semaine. Qui était chez moi, donc j'ai pas à bosser du coup. Mais là, du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai un truc en anglais à recopier du coup que j'ai reçu. Il faut que je me mette sur mes maths. En fait, ce qui est bien avec les maths, c'est que. Ah oui, mais il faut que je vous fasse un update d'ailleurs. Bref, je vais en parler ensuite. Mais pour faire simple, en gros, sur les grandes lignes, je vais plus en cours. Genre, je vais école à la maison. Mais je vais vous expliquer en détail. Mais. Du coup, genre, ce qui est bien avec les maths, c'est genre c'est une fiche genre de leçon et il y a les exercices dessus. Genre, il y a tout dessus, genre, il y a la leçon et les exercices à la suite qu'il faut faire. Donc ça, moi, c'est bien, je suis pas perdu dans le cours, etc. Parce que du coup, vu que, comme j'ai dit, je vais plus en cours, enfin, je sais pas ce qu'ils font chaque jour, etc. Donc je fais ce que je peux avec ce que je reçois chez moi. Parce qu'en fait, genre, je fais école à la maison, mais c'est pas le CNED. Genre, c'est juste... je prends ce que je peux prendre et je fais avec quoi. Je vais m'y mettre. Et puis en même temps, je vais vous expliquer un peu quelques petites choses. Parce que je pense que c'est pas genre en lâchant comme ça que je vais plus en cours, que je fais école à la maison, que ça va aider grand monde. Donc voilà, un peu vous partager mon expérience aussi. Et puis enfin voilà, juste blablater quoi. Alors du coup, oui, je vais plus en cours depuis, je crois, début novembre. Parce qu'en fait, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse. Et j'arrivais plus du tout à aller au lycée. Enfin, c'est ma maman qui, de base, m'emmène tous les matins au lycée. Et genre, j'y arrivais plus, j'étais tétanisé dans la voiture, je ne pouvais plus bouger. Et puis, je crois que c'était le dimanche, la veille de la reprise. Là, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire une grosse crise d'angoisse. Parce que j'avais pas envie d'y retourner, genre j'en pouvais plus, j'étais à bout. Genre en gros, pour vous faire une image, c'est comme si mentalement genre, j'avais tellement encaissé et accumulé que genre j'en pouvais plus. Et que maintenant mon mal-être se manifestait physiquement par la crise d'angoisse, les tremblements, les pleurs, les machins, tout le pataquès qui s'est beaucoup amplifié ces derniers mois. Enfin non, justement, enfin, genre vers octobre, novembre là, ça a bien boosté. Mais ouais, et du coup en fait genre ça m'a vraiment fait un choc, mais genre un gros choc, genre le marteau sur la main quoi, ou quand vous coincez votre petit doigt dans la porte ou j'en sais rien, genre c'est fait pareil. Parce que je n'ai jamais fait de crise d'angoisse de ma vie. Je suis quelqu'un qui est très stressé, très anxieux pourtant, donc voilà. Mais là vraiment genre ça m'a vraiment fait un choc parce que j'étais là, j'en suis arrivé au point où j'arrive plus à aller en cours. Ce qui est quand même quelque chose. Parce que jusque-là, je faisais comme je pouvais pour tenir bon, mais c'était compliqué, mais je faisais avec, quoi. Parce que, enfin, il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Pour moi, de toute manière, j'ai toujours su que depuis la rentrée, qu'il fallait plus que j'y aille, parce que j'en pouvais plus et que ça me gavait. Mais je faisais avec, parce que je savais que si je le disais, ça allait rien changer.
Donc, genre, ça allait rien aller de mettre en place. Donc, bref, j'ai commencé à faire mes premiers, genre, gros. Enfin, pas des crises d'angoisse, mais genre, j'ai commencé à bien pleurer, en fait, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que. Du coup, on a prévenu le lycée que c'était pas type top en ce moment. Et franchement, là-dessus, par contre, je salue mon lycée parce qu'ils ont franchement une bonne organisation. Genre, ils ont une équipe qui a été mise en place par rapport au Covid, notamment depuis le Covid, parce que à cause du Covid, il y a pas mal d'élèves qui ont commencé à décrocher et à avoir des problèmes. Donc, je trouve ça que c'est vachement bien. Et puis, le corps enseignant était super compréhensif, ce qui m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi compréhensif. J'ai eu la chance de tomber sur un super bon prof référent parce que vraiment, il est adorable. Il est super compréhensif sur ma situation, etc. Et franchement, genre vraiment, il est prêt à tout pour m'aider et tout mettre en place et tout, contacter les profs et tout, etc. Enfin, vraiment, genre, c'est. Vraiment, je le respecte pour ça parce que, genre, il fait très très bien son métier. C'est un prof d'histoire géo, donc de base, genre vraiment, histoire géo et moi, on n'est pas copains. Mais franchement, ses cours, ils étaient. Vachement sympa. Les 2 heures, franchement, finir avec 2 heures d'histoire géo, limite, ça me dérangeait plus. Même si, bon, j'avais toujours cette envie de rentrer chez moi. Mais franchement, c'était pas désagréable de faire cours avec eux, c'était super sympa. J'ai commencé à ne plus. Enfin, il y a des moments où je rentrais chez moi parce que je finissais en larmes, et genre en grosses, grosses larmes, genre j'inondais mon pull. Je portais pas celui-là. Et c'est mon gros. Bref, on s'en fout. Mais enfin, vraiment, genre, mentalement, ça commençait vraiment à devenir compliqué. Et là, bah, vers novembre, là, ça a vraiment été la grosse claque dans le faciès. Et je crois, vers fin octobre, d'ailleurs, j'ai commencé à aller voir une psy. Je crois que c'était justement pour Halloween. Je suis allé voir une psy. Et du coup, bah, c'est au fur et à mesure, du coup, on s'est un peu vu. Ça m'a bien aidé quand même. Au premier abord, j'étais pas du tout. Enfin, je voulais pas du tout y aller parce que pour moi, c'était pas nécessaire. Mais je dois avouer que ça m'a quand même bien aidé. Ma souris déconne, ça me plaît pas du tout. Ah, ça y est, elle revient. Faut juste taper un bon coup sur la table. Du coup, j'ai commencé à aller voir une psy. Et franchement, enfin, je fais partie de cette catégorie de gens qui se dit qu'aller voir une psy, ça sert à rien, ça va apporter rien, c'est juste une perte de temps ou c'est soi-disant pas nécessaire. Mais même si c'est juste pour une séance ou que ce soit, franchement, je vous conseille d'y aller. Après, vous constatez par vous-même. Après, il faut aussi tomber sur le ou la bonne bon psy. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance. Moi, j'ai la chance de tomber sur une très bonne psy qui communique très bien et je me sens très à l'aise en parlant avec elle. Mais j'ai eu cette chance-là de tomber sur une très bonne psy qui a bien cerné le problème, etc. Et qui, en effet, était d'accord avec moi pour me dire... Enfin, je lui ai parlé de mes crises d'angoisse, etc. Qui a bien affirmé, en effet, que là, le lycée, c'était plus possible et qu'il fallait vraiment que je prenne une pause et que je prenne du temps pour moi, pour concentrer sur moi, pour aller mieux mentalement, physiquement, etc. Et du coup, bah, ce qui fait que depuis le 7 novembre, je crois, depuis la rentrée, du coup, la reprise des vacances, des premières vacances, des vacances à Toussaint, et bah, ce qui fait que je ne suis plus en cours. Et Dieu merci, ou je sais pas quelle personne a entendu mon désespoir, a vu mon désespoir, mais vraiment, j'attendais que ça. Et c'est enfin arrivé, mon miracle est arrivé. Franchement, depuis que je vais plus en cours, vraiment, je vais mieux. Je cache pas que j'ai encore des coups de mou, hein, bien évidemment. Il y a toujours, je pense surtout en ce moment, c'est plus à mon futur, qu'est-ce qui va se passer pour mes études, est-ce que je vais arriver à retourner dans un lycée, est-ce que la générale c'est ce que je veux, est-ce que, enfin, qu'est-ce que je vais faire plus tard, enfin, c'est plein de questions qui me trottent un peu dans la tête, auxquelles j'ai un peu du mal à cerner, à trouver une réponse. Mais c'est pas la priorité pour l'instant, la priorité c'est vraiment d'aller mieux. Et enfin, vraiment, je revis, je me retrouve moi. C'est vraiment, je pense, le truc, c'était vraiment le truc à faire et je suis content d'avoir fait parce que non, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, le truc qui va pas trop et qui commence à m'énerver, c'est qu'il faut que j'arrive à vraiment me motiver pour travailler. Parce que là, ça fait quelques semaines déjà que je suis censé faire ce que je suis censé faire et que je le fais pas. Et ça me saoule parce que vraiment, quand je vous dis, j'ai la motivation, vraiment, genre, dans ma tête, je m'imagine en train de faire le truc sur mon ordi, écrire, musique et tout, genre, vraiment, je m'imagine, mais je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, mais ça m'énerve, je pense que c'est un truc qui s'appelle la procrastination, mais qui est un peu dans ma tête toujours, mais je sais pas, genre, en fait, je pense vraiment, faut que je m'y mette, et quand, une fois que j'aurai commencé le truc et tout, je serai bien, je serai à fond, et puis, on m'arrêtera plus. J'en profite pour remercier ma très chère famille qui m'a soutenue pendant ces quelques mois et qui continue de me soutenir d'ailleurs.
ma bestie Adeline que j'aime de tout mon cœur et que je remercie infiniment de m'avoir aidé, qui, je dirais pas par chance, par malheur, plutôt traverse un peu des périodes compliquées comme moi par rapport au lycée. Et il me semble aussi qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place. Donc je suis très content pour elle. Et puis j'ai mes amis aussi, évidemment, du mon groupe du collège, ceux qui restent en tout cas du groupe, qui m'ont vraiment soutenu et tout. Donc franchement, malgré la distance et le fait qu'on puisse pas se voir. Donc franchement, je les remercie énormément. Je suis très reconnaissant aussi du fait parce que récemment, de base, sachez que j'ai commencé tout ce train-train de YouTube sans parler à mes parents. Enfin, j'ai fait ça de mon plein gré. Parce que c'est quelque chose qui trottait dans ma tête, je lui en avais déjà parlé mais il y a un bout de temps, il m'avait dit que oui, les YouTube, etc. c'est dangereux, faut pas montrer des informations importantes, machin, enfin genre ils étaient vraiment pas ouverts au sujet, donc j'ai acheté, ok, je respecte. Mais après je crois que c'était en quatrième, c'était en 2020, donc ouais c'était la quatrième, c'était l'année du Covid, vers juin je crois, 26 juin, où j'ai posté ma première vidéo, j'étais trop content. Je me suis dit, je suis parti sur le principe de, si j'arrive pas à gérer genre les cours et du coup YouTube qui était pour moi genre... une idée que j'avais en tête depuis super méga longtemps, j'arrête. Parce que les cours, c'est très important, ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que ça a perdu de son importance par rapport à ce que je, par rapport au collège. Bon, ça rame la cyber, non, ça va me galer. J'ai réussi à bien gérer, ça commençait à bien marcher, donc je suis content. Et oui, enfin genre j'ai commencé ça sans que mes parents le sachent. Et du coup, bah, c'est que récemment, qu'ils ont appris que j'avais une chaîne YouTube et j'ai l'immense bonheur, l'immense joie qu'ils me soutiennent à fond et ils m'ont dit qu'ils ont adoré ce que je faisais, mon montage et tout, etc. Je suppose qu'ils sont en train de regarder cette vidéo-là, j'en sais rien, mais s'ils le font, en tout cas, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Parce que j'avais très très peur. Je commençais à songer parce que je crois que c'était... à l'été dernier, il y avait une marque qui m'avait contacté sur Instagram pour me proposer genre un partenariat, un truc comme ça. Et j'avais pas répondu, même si j'aurais adoré répondre. Je songeais vraiment à commencer à leur en parler. Et du coup, ils l'ont découvert de même. Donc, ça me fait déjà ça en moi. Et puis, ils sont très très ouverts à mes projets, à ce que j'ai pu faire et ce que je fais encore sur YouTube. Donc franchement, je suis super reconnaissant pour ça parce que je sais que c'est pas tous les parents qui sont très ouverts sur ce sujet-là. Ce que je trouve dommage parce que vraiment, enfin... c'est quelque chose de super sympa à partager en famille et depuis le temps que j'aimerais leur en parler. Donc ouais, franchement, je suis super content qu'ils me soutiennent à fond dans tout ce projet. Et puis j'espère que ça ira loin et que, voilà, peut-être, je ne sais pas, en faire un métier, j'en sais rien du tout. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Mais si jamais dans le futur ça arrive à marcher, ben why not. Bon, je vais trouver ça de mon côté parce que c'est rien que je filme pendant que je cherche à comprendre le pourquoi du comment. Mais ouais, je commence à travailler et puis on se retrouve après. Il est 23h54, du coup ça fait un beau temps que j'ai fini de faire mes devoirs. Donc c'était, j'avais de l'anglais et de la géographie. L'anglais c'était un résumé qu'on avait fait sur la reine, la reine Elisabeth. On a fait, il y a un bout de temps maintenant, une petite séance dessus, enfin, plusieurs séances dessus. Et on a fait un résumé du coup, mais comme je vous ai dit, je... je fais plus en cours depuis un bout de temps, donc j'ai pas eu ce résumé en réel, donc je suis allé le récupérer. Et en géographie, c'était une prof a mis en ligne le cours de géographie, le cours sur, qu'ils font actuellement. C'est, je crois, sur les grandes villes, les métropoles, etc. Comment ça fonctionne, truc de genre là, quoi. Du coup, là, j'ai un petit peu de montage à terminer sur mon téléphone pour que je puisse l'envoyer à ma tablette après pour finaliser. Parce que j'ai pas tout sur mon téléphone, enfin genre je crois que c'est... je sais pas, mais... sinon vraiment mes cheveux, je suis toujours aussi fan, vraiment meilleur changement capillaire de toute ma vie. Le premier c'était quand j'ai commencé à séparer mes cheveux, et ça c'est le deuxième. Vraiment, j'adore. Genre,
pouvoir faire ça. Ah oui, d'ailleurs, je me suis mis dans mon petit plaid de Noël parce que j'ai un peu frisquette. Donc voilà, je l'ai acheté à Jiffy. Voilà, il est très sympa, j'aime beaucoup. Anyways, un petit timelapse de moi en train de faire du montage arrive dès maintenant. Yeah.